Bonjour à tous, ici BJ de retour pour une réaction à un clip de K-pop et aujourd'hui je suis super content car comme on l'attendait tous, c'est le retour des ITZY avec leur single, leur comeback ICY et j'ai pas beaucoup de plus à en dire que ça, j'ai fait la réaction notamment du teaser, des teasers la dernière fois dans une vidéo qui regroupait plusieurs teasers et j'ai super hâte de voir ce que ça va donner, en tout cas le son, la chorégraphie, un peu l'ambiance qu'il y avait me plaisait bien et c'était vraiment, pour l'instant on n'avait qu'un titre d'elle en musique vidéo, c'est vraiment leur style, je pense qu'elles vont confirmer ce type de... On va voir si elles vont confirmer ce type de concept. Allez, on y va sans plus attendre de ce pas magnifique. Bon, faisons pause déjà. Il y a leur logo, enfin c'est, en tout cas c'est le logo de la chanson, parce que c'est It's ICY qui arrive de manière totalement glitter dans les couloirs d'une école à la Harry Potter peut-être. Hey hey hey, hey, hey. Yo. Oh là là, j'adore le plan, j'adore l'endroit, c'est quoi, c'est une bibliothèque. Elles sont chacune dans un endroit différent. Enlève-moi ces pubs à chaque fois, le truc. Donc, Chaeryeong qui se balle dans les rues de New York. Oh, il y a beaucoup de... Les mots qui apparaissent comme dans des BD. Ouais, ça se colore au fur et à mesure. Trop cool, trop classe. La joie. Pourquoi elle croise des gens qui lui sourient comme ça? C'est magnifique, c'est la vie. Et j'ai fait pause à un moment qui est sympa. Oui, c'est ça, là, il y a des moments très comiques, très cartoonesques qui envahissent la population, qui envahissent la ville. Et surtout, elle croise des gens qui lui sourient comme si elle la connaît. Tout le monde est heureux de même pas se connaître, en fait. Et la petite qui est affolée, qui est complètement subjuguée par la beauté, par le charisme de cette idole qui passe devant elle. Revenons en arrière, bien entendu. Ben là, je tombe, je reviens en arrière, regardez-moi ça. Tout le monde est super content, ils ont été embauchés, même les gens derrière, ou c'est parce qu'il y a juste une caméra qui passe, qui filme, et donc les gens sont souriants. Quoi ces bêtises? Super ambiance. Ouais, qu'est-ce qui se passe? T'es qui toi? L'IA, elle ressort dans le mariage où elle était habillée en rouge ou quoi? Elle était invitée. Il y a une sorte de diner à l'américaine. On écoute un peu la musique. Oh, il y a plein de couleurs, tellement de couleurs, elles sont tellement classe. J'adore. Je vais revenir sur le refrain, c'est pas possible. Je reviens sur le refrain, j'ai envie d'en profiter, j'ai peu parlé parce que je voulais absolument en profiter. Je trouve qu'elles sont filmées, alors je sais pas comment, d'une manière spéciale que j'ai rarement vue. J'ai l'impression qu'elles sont vraiment filmées de près. On les voit en entier, mais on a vraiment l'impression qu'elles sont toutes proches. Je sais pas s'il y a un angle, une focale spéciale dans la caméra. Et il y a beaucoup de sons, beaucoup de choses qui se passent. C'est pas juste pop. J'ai l'impression qu'il y a un petit côté rock à l'arrière et bien entendu tous ces effets de comics qui sont par derrière. Crunch, à chaque fois, il n'y a pas une image où il n'y a pas un effet ou quelque chose qui rappelle les comics. Donc là, Yeji qui mange sa pomme et elles ont toutes des couleurs de cheveux. Bon là, c'est du noir avec du bleu parce que c'est sa vraie couleur de cheveux. Bla bla. La caméra qui bouge. Bon, on est habitué à un équipe de K-pop mais qui arrête pas de tourner comme ça. Ça pulse hein, quand même, j'adore. They keep talking. Leurs fringues sont débiles. Tout le monde la regarde. Ouais, t'es bizarre, tu parles à une caméra. Yuna qui est magnifique. Peau de glace comics, bien entendu. En tong. En tout cas, c'est le bonheur. Bla 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 bla. Alors le concept c'est que c'est des gens, bon, c'est des figurants qui ont été payés, hein. C'est pas des gens qui sont surpris parce que c'est absolument tout le temps que tout le monde les regarde comme si c'était des extraterrestres en fait. Waouh, elle a tellement de charisme, du swag. Mais qui est cette fille magnifique? Chaeryeong qui doit... Alors les taxis, les voitures qui passent sont des vraies personnes j'imagine. Je serais curieux de voir comment... Bon ils sont peut-être habitués dans certaines grandes villes à ce qu'il y ait des danseurs de rue etc mais... Ça doit surprendre quand même. Hop, est-ce que c'était une technique pour flouter une passante? Je vous fais chier à mettre pause et revenir, mais j'ai besoin de profiter. Quand même. Hop là, à gauche, regardez, ils ont mis des points d'exclamation. Alors est-ce qu'ils doivent demander aux gens l'autorisation de mettre leur visage dans le clip? Ou est-ce qu'ils mettent des trucs pour cacher leur visage? Et c'est pas flouté, c'est marrant, ça utilise le concept du clip. Moi j'aime ça, j'aime bien ça. Oh là là! Je focalise sur des détails, mais la manière dont elle est rentrée à l'arrière de la voiture,
en faisant un mouvement tout à fait indécent. C'était sexy. Regardez, regardez. Ouf. Yeah. Oh là là, la classe, j'adore son habit en plus. Ça envoie du lourd. J'ai pas vu tous les pas que j'avais vu dans le teaser par contre. Bon, mais il y a des gens qui arrivent pour danser avec elle. C'est des SDF. Qui veut être sur ce toit là? Ouf! Oh là là! J'adore, j'adore. Ah, oh, ce break là! Oh! Il y a des écrans verts ou quoi? Elles étaient dans exactement dans la même tenue, dans la même position. Mais à un autre endroit. Alors je sais qu'on peut faire la chorégraphie et puis se filmer dans différents endroits, mais là j'ai vraiment eu l'impression, vous allez voir, ça va très vite, entre le fond centre commercial et le fond sur le toit, ça, c'est pas possible que ce soit des fonds verts les deux et qu'il y ait elle qui danse sur un fond vert. J'ai vraiment l'impression qu'elles sont dans le décor là. Paf, on est passé. Ou alors c'est moi qui déraille, mais c'est super bien fait. En vrai, elle passe d'un décor à l'autre. Cet habit là, il défonce. De toute façon, elle défonce là. Les stylistes, ceux qui ont qu'on crée visuellement le clip, ils ont défoncé. Des baskets avec la robe rouge. Oh là là, les talons compensés. Qu'est-ce que tu fous? Elle se rebelle en fait. Je vais me la mettre à fond dans les oreilles en boucle, celle-là, je vous jure, je suis à fond. Les sons qu'il y a derrière, c'est fou. Qu'est-ce que j'aime ces petits mouvements-là? Elles ont trop de swag. C'est génial. Ouh, le petit ralenti des papiers alors qu'elles allaient à la vitesse normale. Puis c'est très jazz, on dirait une sorte de basse. Elle mélange tellement de styles dans cette musique. C'est beau visuellement, le titre il m'a complètement mis par terre. Musicalement, le concept visuel, la chorégraphie, je suis à fond, voilà. Vous l'avez compris, je suis à fond quand je mets 15 fois pause, 33 fois pause dans le clip. Moi, je vais en reprofiter de mon côté, comme j'espère que vous l'avez fait de votre côté. J'espère, si vous aimez les Itchy, que vous avez aimé ce titre-là, dites-le moi dans les commentaires. J'en ai pris plein les yeux et j'ai pas tout vu, j'en ai pris plein les oreilles et j'ai pas assez profité. Je suis vraiment content qu'elle soit arrivée avec ce titre. J'ai hâte de pouvoir voir des shows sur lesquelles elles vont apparaître en live, de voir des dance practice. C'est vraiment quelque chose qui m'a super plu. Je vais vous laisser sur ces bonnes paroles. Je vais vous dire jusqu'à la prochaine vidéo de prendre soin de vous car c'est le plus important. Allez, ciao !